Bonjour tout le monde, je suis avec Kevin Arsenault aujourd'hui et on parle de l'entraînement du dos. Donc comment avoir un gros dos, des grosses lats, un gros upper back pour que je puisse faire des flex comme ça puis que je mette de l'ombre en avant. Exact. Tu sais, j'ai parlé beaucoup dans d'autres chroniques, j'ai parlé de la stimulation au niveau des pectoraux, j'ai parlé de la stimulation au niveau des biceps. Donc les lats ont aussi une littérature derrière qui présente certains exercices qui vont avoir un avantage au niveau du recrutement des lats. Je vais en présenter quelques-uns aujourd'hui pour un peu démystifier qu'est-ce qui peut être plus intéressant que d'autres. Première des choses, quand on dit lat, c'est, ça veut dire latissimus dorsi, c'est le nom latin du grand dorsal. Et quand on dit qu'on fait un lat pull-down, c'est pas un latéral pull-down, ok? Le mot lat ne veut pas dire latéral, genre, on entend tellement, c'est pour dire c'est un diminutif de latissimus, pour dire on s'en va faire du pull-down avec notre grand dorsal. Je règle ça au début, là. C'est que ça c'est clair, pour ça les gens vont le retenir. Donc au niveau de la stimulation, si on regarde par exemple tous les tirages verticaux, que ce soit en supination, en close grip, en tirage avant ou arrière, dans une autre de mes chroniques, j'ai parlé au niveau du danger, au niveau de l'épaule, au niveau des blessures sur le lat arrière, parce qu'il y a une abduction horizontale, une rotation externe. Fait que je ne suis pas très friand au niveau de l'exercice, de plus que toutes les études qui l'ont analysé ont. Aucune étude a remarqué une augmentation de la sollicitation ou un avantage de cet exercice-là. C'est vraiment juste une variante qui est intégrée, que moi, j'utilise plus de 10 ans. Donc, le lat avant a vraiment un meilleur avantage. Donc, ce qui fait que quand on regarde les différences, si on fait un lat avant ou un lat arrière, grosso modo, les résultats de l'étude vont montrer que les lats vont être plus sollicités et la longue portion du triceps dans un tirage comme ça. Si je rapproche ma prise en prise serrée, une prise close grip ou en supination va travailler plus au niveau du grand pectoral, puisque le grand pectoral est impliqué lors du tirage, parce qu'il fait une extension de l'épaule, surtout la portion abdominale et sternocostale, et on va travailler plus le derrière d'épaule aussi. Fait, prise serrée, grand pectoral, deltoïde postérieur, et en prise lat, plus les grands dorsaux. Donc ça, c'est plus au niveau de la stimulation si on veut varier en tant que tel. Étonnamment, sur deux études qui ont analysé l'implication du biceps dans la prise en supination, la prise en supination ne travaille pas plus le biceps qu'une prise en lat pull-down. Pourquoi? C'est toutes les questions de biomécanique. Si je place ma main comme ça, ma barre est ici. Ça veut dire que la tension provient par en haut. Donc, je n'ai pas de tension qui veut ouvrir mon coude pour créer une tension supplémentaire au niveau de mon biceps. Si je suis en lat pull-down, c'est la même chose. Si je suis en supination, je n'ai pas de tension qui crée un torque. Ça veut dire que mon biceps va aider le coude à fléchir, mais pas plus que si j'étais comme ça. Par contre, si je viens faire un chin-up, là, ce qui arrive, c'est que là, ce n'est pas ma main qui bouge. Ma main est fixe, puis c'est mon corps qui se lève. Oh, fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça, c'est fixe, et la charge, elle est là. Donc, sur le biceps, qui peut faire soit fléchir le coude ou me faire monter le corps, ben là, mon torque est plus grand parce que j'ai une distance par rapport à mon point de rotation qui fait que là, mon corps doit être levé. C'est mon biceps qui va m'aider. Donc, dans les études, ce qu'on remarque, c'est qu'un chin-up en supination va solliciter plus mon biceps que si je fais un pull-up. Et si je vais à la barre, pas de différence de sollicitation. Donc, si vous voulez intégrer un mouvement de base comme du dos dans un entraînement de biceps, faites des chin-up et non pas des lats avant en supination. Donc, ça, c'est un peu un élément de plus à savoir. Après, si on regarde le tirage horizontal, le seated row, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation du travail, environ 15% du grand dorsal quand on vient à tirer. Par rapport à un lat avant. Fait que si je fais un lat avant, si je m'en viens à un seated row avec des charges équivalentes, j'ai 15% plus d'activation. Ici, je fais un seated row avec une adduction, un rapprochement des omoplates, j'ai 40% plus d'activation que sur un lat avant. Pourquoi? Parce que le grand dorsal part ici sur au niveau du fascia thoraco-lombaire et vient monter pour s'insérer sur l'humérus, mais en passant où l'omoplate, il va venir s'insérer sur l'angle inférieur de l'omoplate. Fait que ce qui fait qu'il y a un rôle, il y a un point d'attache sur l'omoplate qui fait que si je recule mes omoplates, bien, le grand dorsal participe à cette rétraction-là. Ce qui fait qu'on voit une augmentation de 40%. Fait que si je fais du lat pull-down versus tirage avec adduction, j'ai 40% plus de sollicitations. Fait que le seated row devient un peu l'exercice par excellence pour travailler les lats en ajoutant la rétraction. Fait que à intégrer. Plus complet aussi pour le dos. Plus complet, effectivement. Puis ça prend le temps de ne pas le soigner. Puis tu sais, on prend le temps, on prend la pause sur la poitrine, belle position. Fait que, tu sais, le but, c'est de contracter un muscle, pas lever des charges. Fait que c'est un temps ça. Fait que c'est qu'est-ce que je travaille mon dos, on squeeze, on garde la position pour faire ça. Dans l'entraînement du dos aussi, ce que je remarque, outre la stimulation, c'est on veut travailler le corps de façon équilibrée. Là, tu me parles des positions, comme ça, etc. On veut avoir un dos qui est massif. Si on se regarde de face, j'ai mes pecs, j'ai mes abdos, mon devant d'épaule qui est présent. Si je me regarde de dos, j'ai quoi? J'ai mes lattes, j'ai mes lombaires, puis j'ai tout ce qui est rhomboïde, trapèze moyen, les trapèzes, les deltoïdes postérieurs. Et quand je regarde les programmes d'entraînement des gens qui font en salle, généralement, le haut dos est pratiquement inexistant.
Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ils vont avoir un exercice de bec de carrière où, et tous les autres exercices vont être du tirage, du steel row, du bent over row, etc. Il faut savoir que les pecs, leur antagoniste, c'est le haut du dos. Je pousse, l'antagoniste, c'est le haut du dos. C'est tout derrière l'épaule, les rhomboïdes, les trapèzes moyens. Si je fais des lats, si je tire, l'antagoniste, je pousse, c'est les épaules. Les lats font aussi de l'extension. Si je fais de l'extension, l'inverse, je lève, c'est les épaules. Fait que les antagonistes des lats, ce sont les épaules. Les antagonistes des pectoraux, ce sont le haut du dos. Donc, si on va avoir une posture qui est équilibrée, plus droite, donc on a beaucoup de positions, surtout la vie d'aujourd'hui, avec les tablettes, avec les téléphones, avec les ordinateurs, même si on fait, tu sais, on a un problème de tension qui est beaucoup en rotation interne, et le pec est un rotateur interne, le grand dorsal est aussi un rotateur interne, donc ce qui fait qu'on ne s'avantage pas en faisant juste des lats, des pecs, pensant avoir fait notre DA en disant j'ai travaillé mes opposés. Ce ne sont pas des opposés. Qui travaillent, et c'est dans le même sens, dans un certain sens, même si on fait du tirage, puis l'autre fait du poussé. Il faut équilibrer, faites le même nombre d'exercices que vos pecs pour le haut de votre dos. Donc, c'est pas compliqué, le haut du dos, c'est tout ce qui est coude à 90 degrés, épaule à 90 degrés, tout ce qui est tirage, élévation, avec les poulies en croisée, les pecs deck, il faut les intégrer. Vous faites 12 séries de pecs, faites 12 séries de haut du dos pour avoir un contrebalanc qui va être intéressant pour développer l'épaisseur de votre haut du dos. Puis on remarque souvent que les gens utilisent beaucoup l'épaule, tu sais, vraiment l'épaule postérieure, parce que souvent il y a une mauvaise stimulation au niveau de la rétraction de l'omoplate. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre vraiment aux gens de pouvoir vraiment venir locker puis de savoir utiliser les bons muscles. Oui, bien, on parle du haut du dos, mais tout ce qui est muscle stabilisateur aussi de l'omoplate, là, je vois très peu de gens faire des rotateurs qui a à nouveau la rotation externe pour contrebalancer. Puis je sais pas si vous en faites, là, mais des rotateurs externes debout comme ça, là, bannissez-moi ça des gyms. Là. La gravité vers là, je sais même pas. Ouais, les gens ne comprennent pas la biomécanique. Ouais. Tu couches sur le côté, ou tu as une poulie, la gravité. Mais comme ça, tu fais juste travailler ton bicep. La courbe des rotateurs ne travaille pas grand-chose. Tu peux prendre des 80 livres, puis oui, je suis capable. Non, mais la courbe des rotateurs ne travaillera pas cette hauteur-là. Fait que courbe des rotateurs, tout ce qui est aussi les dentelés, donc qui fait pour empêcher le winging aussi, donc c'est juste une protraction. Ouais. Travailler. Moi, j'aime bien, avant de commencer les programmes d'entraînement ou la journée d'entraînement du haut du corps, d'activer ces muscles. Prendre 3 à 5 minutes pour faire un peu de trop de protraction, un peu de rétraction pour les activer. Puis tout ce qui est trapèze inférieur aussi, qui est très faible, qui est le muscle de la fin du cerf-volant, le bas, là, qui lui sert beaucoup dans les élévations en avant. Et ajouter ces exercices-là, les bras à 120 degrés. Fait qu'on fait des tests de force sur les individus qui s'entraînent versus ceux qui ne s'entraînent pas. On met le bras sur une table comme ça, puis on appuie sur la main. On se rend compte qu'environ 1% la population qui s'entraîne, qui sont plus forts que la population sédentaire. Pourtant, les gens s'entraînent, ils font du dos, ils font des lats, mais le trapèze inférieur est sous-stimulé. Il y a une déficience qui est présente parce que les gens ne les entraînent pas. Fait que, on veut les travailler, donc il faut être capable de faire, exemple, des cross rowing, où on prend les poulies en croisée, puis on vient tirer pour que les omoplates puissent s'abaisser, ils vont être présents. Ou sinon, c'est de se suspendre à une barre à pull-up et de faire juste un abaissement des omoplates. On lève. On fait juste un abaissement. Il n'y a pas de flexion au niveau des coudes, c'est juste un abaissement des omoplates qui fait que le trapèze inférieur va être recruté. On l'intègre là-dedans pour le renforcer. Le but, c'est de toujours trouver un équilibre dans tous nos muscles qu'on travaille pour être capable d'avoir un physique avec le moins de risques de blessure à cause qu'il y a des différences de force dans un sens versus dans l'autre. Un niveau postural aussi, hyper important. Le bas du trapèze, inférieur, super important aussi. Exact. T'sais, c'est de travailler le haut du dos, là, comme je vous dis, là, même être sur un banc puis faire juste des adductions puis travailler le haut du dos. T'sais, c'est des idées que vous pouvez intégrer facilement qui se fait. Puis si vous allez voir les gains qui vont être présents, ça va être meilleure stabilisation au niveau de l'omoplate. Puis juste le contraste. C'est sûr que pour les épaules vers l'avant, même si on fait du haut du dos, puis on étire les pecs, si on est une heure à faire de l'entraînement du dos puis l'étirement des pecs, puis on est 23 heures. J'exagère, mais 23 heures comme ça, ça ne gagnera jamais. Fait que c'est une combinaison entre l'entraînement qui aide à avoir un renforcement musculaire, un étirement des muscles qui tirent trop et une posture sans être exagérée. Là, juste une bonne posture qui va être présente va nous aider à contrer l'enroulement des épaules. Et souvent, les gens se demandent, ils ont des plateaux, nouveau exemple de leur bench press, puis on vous dit toutes les techniques, ça ne fonctionne pas. Puis là, tu les fais travailler leur haut du dos, puis tu les remets sur le bench. Ça peut être étonnant, exactement, quand tu es. Puis le haut du dos est juste la coiffe des rotateurs. Mm-hmm. Quand ta coiffe des rotateurs augmente sa force, c'est juste la stabilité au niveau de la barre et vient nettement d'augmenter. Puis tu peux prendre, il faut même 30 livres sur ton bench juste à cause de travailler ta coiffe des rotateurs. C'est quoi ça? Parce que la barre est instable. Si ta coiffe des rotateurs n'est pas capable de compenser par une trop grande faiblesse, par une sous-stimulation, t'es limité. Ton chaînon le plus faible, c'est lui qui te guide vers qui va te donner ton plateau. Fait que si tu corriges tes faiblesses, ton plateau devient de plus en plus élevé, puis tes standards viennent
s'améliorer. Donc c'est un peu un travail du haut du dos, puis un travail des lattes à privilégier. Les deux sont mais dans les fers. Moi j'aime bien les dissocier dans mes plans d'entraînement. Fait qu'ils font le haut du dos une journée, ils font les lattes une autre journée. Quand le nombre de journées est possible. Une journée, une personne s'entraîne deux fois semaine, trois fois semaine, on a juste le nombre de l'exercice. Une personne s'entraîne 4-5 fois semaine, on est capable de répartir pour avoir un bon volume. Donc vous voyez l'importance d'aller voir un professionnel quand faites vos programmes, c'est hyper important parce que vous pouvez aller chercher de la force, l'hypertrophie, tout ça. Donc merci encore Kevin. Ça fait plaisir, très intéressant.